Salut à tous, une vidéo qui va concerner une tentative de grugeage ou de grugement d'Amazon. Je vais vous montrer le cas d'un auteur, Tina Dohin, alias Thomas Lambert, alias Florent Deauchamp, pourrait-on dire quelque chose comme ça, qui essaie par tous les moyens de promouvoir son bouquin. J'avais contacté Amazon parce que ça me semblait suspect. Voilà. À l'origine, la pierre de Thomas Lambert, alias Tina, alias Flora Deschamps, on peut le supposer, a été publiée sur monbestseller.com. Voilà. Et ce qu'on remarque bien, c'est qu'il y a une très bonne notation. Peu importe que ce soit un bon ou mauvais bouquin, ce n'est pas le principe. C'est la tentative de gruger Amazon. Parce que si on va sur la page du bouquin, on voit disponible à cette adresse. Manque de peau, l'adresse en question a été sucrée. Mais la personne en question ne sait pas qu'on peut encore accéder aux commentaires. Et c'est là que je prouve qu'un auteur autorité peut gruger son monde pour vendre son bouquin. J'avais signalé ce bouquin. J'avais laissé un commentaire. Et si on regarde bien la référence, voilà, ça donnait ce commentaire. J'avais dit Thomas Coutina, blablabla. Donc il y avait deux commentaires 5 étoiles et mon commentaire à 2 étoiles. Si on regarde la référence, si on clique sur le titre, erreur 404. Mais on peut encore accéder aux commentaires. Et qu'est-ce qu'on remarque? Livre captivant par pseudonyme, on ne sait pas qui c'est, pas d'achat précisé, et on tombe sur certaines Flora Deschamps. Tiens donc. Flora Deschamps, Flo. Si on regarde Flo, dans les commentaires, on se trouve sur FloEmi13. Est-ce que ce serait la même personne? On voit que le bouquin a été publié, le commentaire a été publié en février de 2016. D'ailleurs, si on regarde aussi dans les commentaires du bouquin, on s'aperçoit qu'il y a une certaine Tina H, 25 février, qui dit « Début prometteur ». Si on va sur les commentaires... Si on va sur les commentaires du bouquin... La même Tina H nous déclare de 7 jours. Voilà. Je finis le livre, je vais à l'abri plus tard. Donc, un coup au mois de février, le bouquin est commencé. Un coup au mois de mai, il est recommencé. Donc, je m'excuse. Thomas Lambert et Tina H, c'est la même personne. Mais le mieux, c'est que Thomas Lambert, pour éviter d'être fliqué par Amazon, il a créé une nouvelle page. Grossière erreur. Parce que la pierre a une nouvelle page maintenant. Alors, la pierre. Normalement, c'est être celui-là. Voilà. Il y a un nouveau commentaire qui a été posté. Un seul commentaire 5 étoiles. Mais regardez qui a posté le commentaire 5 étoiles. Flora Deschamps. Si on regarde le commentaire, j'ai eu envie de connaître le livre car blablabla. Et si on regarde le commentaire sur la précédente fiche, attendez, si je retrouve la précédente fiche, désolé, parce que c'est un peu, voilà, un peu confus. Non, c'est pas celui-là. J'ai envie de connaître le livre blablabla. C'est le même commentaire. Un posté le 24 mai, l'autre posté le 6 juin. Et si on regarde Flora Deschamps, il y a une critique de bouquin sans achat vérifié. Alors, est-ce que Thomas Lambert, Flora Deschamps et Tina Dohin, Odin, font la même personne? Oui. Je peux l'affirmer avec une grande force, oui. Donc, je vais encore prévenir Amazon qu'il y a une tentative de pollution de sa base de données. Moi, j'appelle ça vouloir tromper le monde. Bravo le monde d'auto-édition, vous le salissez en faisant ça. Et ce n'est pas tout, parce que j'apporte une nouvelle preuve que Tina, c'est la même personne. Parce qu'à l'origine, j'avais eu cette information. Et si on voit Tina Odin, la pierre qui pointe vers la mauvaise page. Donc, Tina Odin, Flora Deschamps.
et Thomas Lambert ne font qu'une personne. C'est une tentative de tromper le monde. C'est de l'escroquerie, c'est de la tromperie. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais moi je considère que des auteurs comme ça n'ont pas leur place dans l'auto-édition. Salutations !